Ok, bon Gasper, donc 3 ans, qui était bien sociabilisé à la pension. On a laissé passer un peu de temps. Il s'est approprié l'appartement. Il a mordu plusieurs fois enfants et adultes. Il est parti chez les vétérinaires, donc les vétérinaires, deux vétérinaires qui disent qu'il faut qu'il soit euthanasié. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vous explique sur les vidéos, avant de critiquer, il faut regarder un petit peu. Là, je vais vous montrer que le chien, bah, il va essayer de me niaquer plusieurs fois. Voilà, donc on va commencer. Ok, mon bébé. Ok. Non, 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 non. Non. Non, 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 on est sur moi. Donc ça, si je laisse faire ça, c'est comme ça que je fais ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, avant de critiquer les vidéos, regardez bien la façon de faire déjà, parce que je ne force pas le chien, je ne vais pas le martyriser, c'est juste je vais commencer à me positionner sur lui, d'accord? Pour lui montrer que moi, avec moi, il ne fait pas ça. Plus tard, on refera une vidéo quand le chien sera bien sociabilisé et vous verrez la différence. Voilà. On continue un petit peu et après on arrête la vidéo. Bien bébé, voilà. Non, 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 non. Voilà, c'est bien Gaspard. Très bien mon loulou. Voilà. Non, non, non. Voilà. Non, 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 non. Ok, on arrête la vidéo. C'est bon.